Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le 9e épisode de Digimon World. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, ça fait au moins un mois. Parce que j'en ai fait un certain moment en avance. Donc je suis très content de reprendre. Alors je vous avais dit qu'on verrait les faits de tous ceux que nous avons ramenés. Je m'empresse de ce pas d'aller parler à Digimon. Unimon est revenu, il veut s'investir dans le commerce, il ne manque pas d'ambition. Patamon est revenu, il a une excellente idée, il ouvre une quincaillerie. Oui, bref. Biomon est revenu, il a été engagé à la quincaillerie. En fait, les trois vont ouvrir la quincaillerie de toute façon. Le commerce prospère. Greymon est revenu, il veut ouvrir une arène. J'ai hâte de voir le résultat. Le taux de prospérité de la ville est de 24. La capitale s'agrandit. Tu m'étonnes. Oui, c'est fort sympathique. Voilà, on a plein de choses à faire. Plein de possibilités aussi. Faut que je vérifie mon inventaire. Ouais, voilà, il me semblait bien que j'avais des trucs à poser. C'est bon, super. Oh ! Oh ! On l'a vu. Sukamon. Veux-tu utiliser la consigne ? Oui. Je pose ce champi chance, je pose la fraise à calories, voilà, puisque qu'importe. Dis champi, pilote auto, arme de soin. On garde tout ça. Reviens me voir quand tu veux. Ouais. T'inquiète, je reviendrai, Agumon. Encore et toujours. Donc il est là. Voyons ce qu'il y a alentour. Ces toilettes ne me disent rien, mais le reste me plaît. Bah oui, évidemment. On se doute. Alors, des petits points, parce que j'ai regardé la vidéo précédente. Oh, regardez! J'ai installé l'électricité, qu'en penses-tu? Faisons notre capitale un lieu accueillant. Oh là là, c'est trop beau. Si vous avez la malchance d'avoir un Numémon, donc l'équivalent de la créature dont qu'on a combattu juste devant la décharge, qui rôde, qui pète et qui... voilà. Ça va être compliqué, mais parlons déjà. Ah, Patamon, bienvenue dans ma boutique. Regarde Adroft, j'ai un petit commerce, je vais y vendre toutes sortes d'objets. J'attends un nouvel arrivage, mais j'aurais bien besoin de quelques assistants. Oui, bah t'inquiète pas, t'en as. Que désires-tu? Je souhaite acheter très cher. Achète alors. Mais oui. Alors, oui, bon, on souhaite. Ouh, une petite Omniram serait sympa. En fait, mon objectif là, très grand objectif, c'est de se venger. De se venger de qui, de quoi, de comment. Je vous entends bien. Ah, on a plus d'argent, que dalle, qu'importe, à la prochaine. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, mais je voulais vendre aussi. Vendre? Tu veux vendre? Oui, je veux vendre les méga gigots. Merci, oh, merci à toi. Merci à toi, voyons Patamon, merci. Voilà. Putain, qu'à faire, on va aussi racheter un petit peu de gigots, parce que ça serait dommage que notre pauvre Aka meure de faim. Voilà, tchuss. Et maintenant, Punimon est là. Voilà, et il nous raconte d'autres choses. On lui parlera une autre fois. Je préfère ne pas rater le coche. Donc elle a la reine en bas que nous irons voir plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas primordial. C'est toujours Meramon, ok. On lui avait parlé. Ah non, on lui avait pas parlé, je pense. Adroft, j'ai décidé d'être cuisinier dans ce restaurant. Goûter nos plats épicés. Alors, qu'est-ce que je te sers? Mouton, piment, curry épicé ou pot épicé? Bon, évidemment, à des prix exorbitants. C'est un restaurant, c'est normal. Donc, si vous avez Numémon, soit vous avez de la chance et vous êtes arrivé à une espèce d'endroit au-dessus du bosquet des brumes, vous verrez quand on y sera, qui vous permet d'avoir directement sa forme ultime. Mais ça ne marche qu'une seule fois. Sinon,
Bah, soit vous l'entraînez et vous essayez de débloquer des attaques saletées, notamment en allant affronter le Numémon devant la déchetterie, c'est une bonne idée. Comme ça, au moins, vous avez quelque chose de sympathique. Ça vous donne d'autres techniques, parce que, je vous le rappelle, le nombre de techniques connues influe... Ah oui, bien sûr, c'est maintenant que tu veux faire caca. Le nombre de techniques connues peut être un critère d'évolution, de bonus, qui vous empêche d'avoir le nombre de combats, ou le bonheur, ou quel que soit le critère. Bon, on va déjà aller aux toilettes, du coup. On va pas déconner. Ou sinon... Si vous êtes au tout début de la partie et que vous êtes raté, parce que vous n'avez pas pris le fameux lien qui amène sur un site vert, qui est génial, que j'ai mis dans la toute première vidéo de présentation. Tous les liens sont dans la vidéo de présentation. Toujours aussi magnifique. Je vous recommande, si vous êtes au tout début, en fait, bah, à la limite de le faire mourir, parce qu'en fait ça n'aura aucun impact sur votre jeu. Ça y est, on ne joue plus! T'inquiète, mon grand, t'inquiète. Alors pourquoi je l'affronte? Parce que nous avons 12% de chance d'obtenir Dynamite Kick. Donc on le fait. Magnifique! Voilà! Ça, c'est un combat rapide, ça. Yata! Ah, quand il y a ça, à chaque fois, je me dis peut-être. Et non. C'est terrible. C'est totalement terrible. Bah, il a faim. Bah oui, vas-y, t'as faim, bien sûr. Bien sûr que t'as faim, évidemment que t'as faim. Non, mais l'autre. Ouais, c'est encore trop tôt. Hein. Alors, du coup, on va déjà aller sur l'autre écran. Parce que tant qu'à faire, il y a aussi des Tsukaimon ici. Voilà, parce qu'on n'est pas encore... On n'est pas encore passé dans la vraie journée. Oh, il est déjà content. Parfait. Je vais te faire voir. Oh, ouais. Mais viens, non, viens. Moi, je vais te faire voir. Donc, 12%. Donc, Numémon, sinon vous le tuez, parce que, en fait, votre niveau d'entraînement est à zéro au début de jeu. Et pour peu que vous ayez pas appris tellement de techniques que ça, voilà, ça ne change rien. Parce que je vous rappelle, vous pouvez perdre des techniques en mourant 3 fois. À chaque fois, j'ai... Eh ben non. C'est horrible, horrible cette sensation. Allez, viens. Qu'est-ce que tu as à faire? On va t'éclater la tête. Ensuite, on cause. Si vous avez Sukamon... C'est-à-dire que si vous avez... Ah, bien sûr, j'ai un doute. Fait caca par terre, 16 fois, il me semble. Ouais, ça doit être 16 fois. Bon, déjà, c'est pas bien. Hein, je vous le dis. C'est quand même pas top d'avoir laissé votre Digimon faire caca par terre. Autant de fois. Mais c'est pas grave. Alors déjà, oui, la barre se transporte. Hein, elle continue la barre, suivant pour les autres Digimon. Disons qu'en allant de malchance en malchance, au bout d'un moment, vous arriverez sûrement à Sukamon. Soit, comme Numémon, bah, vous l'entraînez à fond, et du coup, vous faites les foufous, et vous pouvez avoir un truc bah, qui arrive quand même à combattre. Soit sinon, Sukamon, bah, vous allez voir le roi Sukamon. Ah, c'est pas encore. Mince. Mince. Lui ne sert à rien. Que faire? Parce que là, on est passé en journée. Du coup, à côté, il va y avoir les fleurs. Les fleurs ne me servent à rien non plus. Éventuellement, on peut monter tout au-dessus. J'ai peur d'aller un peu trop loin, en fait. J'ai peur. Parce que normalement, il est là. Hein, on est d'accord, on s'en souvient, quand même. Bon, on va tenter d'aller au-dessus, aller affronter les Dark Rizamon, c'est toujours envisageable. Parce que lui, il a rien à nous apprendre. Bref. Il n'a rien. Et donc sinon, vous allez voir avec un Sukamon, le roi de Sukamon, et donc quand il disait il a le pouvoir de vous transformer en une créature horrible, bon, en fait, c'est n'importe quel autre Digimon qui n'est pas un Sukamon. C'est un peu méchant envers les autres, mais bon, c'est comme ça. En même temps, on lui a dit qu'il vivait dans une décharge, c'est pas très gentil non plus. Sinon,
J'ai mentionné dans la vidéo, il n'est pas de bon temps... Oh, magnifique, magnifique arrêt. Il n'est pas de bon temps pour un Digimon feu d'affronter de l'eau. J'ai en partie tort. Magnifique. Pour la raison suivante, en fait, le feu et l'eau ont chacun un méga gros avantage sur l'autre. Oh, à chaque fois j'y crois. J'ai l'espoir. Qui n'arrive pas, mais j'ai l'espoir. Il est l'heure du coup. Et en fait, le tableau, je vais vous le mettre maintenant. Et vous pouvez constater, alors voilà, il est, encore une fois, dans le lien que j'ai mis, dans un des nombreux liens, dans le méga Google Doc, en fait, que je vous ai mis dans la vidéo de présentation. Ce tableau-là, qui a été mis à jour, d'ailleurs, depuis la présentation. Pourquoi n'es-tu pas là, Piximum? Comment cela se fait? C'était pourtant ça, l'horaire. C'était la fin de matinée. Enfin, c'était... Oui, c'était la toute fin de matinée. Non, ne me trahis pas, je veux ma revanche. Oh. Ah, damned. Je suis très déçu, je suis très déçu. Bon, on attend encore jusqu'à la fin de cette heure-là. Et s'il est toujours pas là, bah tant pis, et on va continuer la journée. Vous n'êtes pas venu non plus juste pour attendre un combat. Et je le comprends. Tant que j'y suis. Donc sur le tableau, on voit que le feu a un très gros avantage contre l'eau et que l'eau a un très gros avantage contre le feu. Donc en fait, vous prendrez beaucoup plus de dégâts. Sachant que normalement, le tableau, il faut faire la somme des trois capacités, enfin des trois affinités de notre Digimon. Où là, c'est donc feu, combat et rien. Vous faites la somme de tous les scores, et ensuite vous divisez par 30, et bref, vous avez le facteur de dégâts en plus. Enfin, le facteur de dégâts que fait l'ennemi. Qu'importe, c'est les détails, il faut juste savoir que de l'eau contre du feu et du feu contre de l'eau, ça fait plus de dégâts qu'en général. Sachant que, et ça je trouve tout à fait intéressant, mine de rien, le feu est quand même hyper fort. Hein, on constate que le feu, il est quand même très 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 avantagé. Oh, c'est vraiment triste que je vois là. C'est très triste, bon, tant pis. On va passer à la suite. Et on voit aussi notamment que l'autre élément de tête, malheureusement, que je vous dis, qui est très fort, c'est aussi l'air. Et que le combat est en général très nul. Et la saleté aussi. Voilà, sur le détail. Enfin, dernier petit élément que je peux vous raconter, c'est qu'il y a, en tout et pour tout dans le jeu, bon, c'est sur un forum, donc malheureusement, c'est pas sûr et certain, j'ai pas trouvé les grands maîtres de Digimon World, notamment ceux qu'on fait le Google Doc qu'en parle, mais il semblerait qu'il y ait 10 toilettes en tout et pour tout dans tout le jeu. Il y en a déjà vu 7. Donc, vous pouvez vous douter que, il y en a une notamment, malheureusement, il y a des endroits où ça va être un peu galère si on n'a pas de toilette. D'ailleurs, j'ai fait une énorme erreur, parce que, bah en fait, j'avais la possibilité d'acheter des toilettes portables et je l'ai pas fait. Tant pis, c'est comme ça, on fera avec. Bon, et là, vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va là-bas? Alors qu'en plus, je vous ai dit très clairement, voilà, on a quitté ces endroits, je n'y retournerai plus jamais parce que c'est horrible. C'est vrai, mais j'avais oublié un détail. Et pas des moindres, d'ailleurs. C'est qu'il y a un Digimon qui a une chance d'arriver à 4 endroits différents. Salut le chef de Tyrannomon. Et ce Digimon là drop un objet génial. Absolument génial. Donc
il faut tenter notre chance et essayer de voir si jamais cet objet n'y serait pas. Parce que ce serait bien de l'avoir. Et si on l'a pas, ça serait extrêmement dommage. Mais tant pis, on fera avec. Mais si on l'a, oh là là. Oh là là, oh là là, le bonus. Mais non, c'est pas tout droit qu'il faut aller. C'est à gauche. Ouais. C'est pas du tout là qu'il faut aller. C'est là-bas qu'il faut aller. J'ai essayé pourtant d'aller à gauche, hein. J'étais bien collé, mais comme il faut se décoller, parce que sinon... Oh, comment on saute à fond. Tiens, mange, arrête de m'embêter. Ouais, j'ai encore faim. Je l'ai vu. Je sens que le combat va être assez... indéniable. Ah non, chance. Ouais, voilà, ça c'est abusé. Ça c'est la grosse loose. Dis-moi que t'es là. Oui, il est là. Hein? Qui es-tu? Nanimon. Qui je suis? Et toi? Reçu un porte-clé dimensionnel. Tu peux porter 20 objets. Et ça, mesdames et messieurs, mais c'est génial! C'est tout simplement génial! Oh, c'est top! Donc, il est là, impeccable. Parce que il apparaît à 4 endroits, et il me semble que malheureusement, c'est un peu aléatoire l'ordre dans lequel il apparaît. Néanmoins, sur le speedrun de 100% que j'ai regardé, il était là, présent dès le début. Sachant que j'aurais pu y aller juste après avoir rencontré Tyrannomon. Alors je sais pas si on peut y retourner direct après, ou s'il faut quand même aller reparler à Tyrannomon. Voilà, malheureusement ce sont des détails que je n'ai pas. Mais qu'importe. Alors là... Là on va retourner aller affronter des Dark Rizamon. Et on va les éclater un par un. Méthodiquement. Est-ce qu'il est fatigué? Non. Non, pas du tout. Il est pas du tout fatigué. 20, c'est large. 20, c'est large. On a fait 24 batailles depuis qu'il est en Santarimon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et il a 8 jours. Oh. On a déjà fait 5. C'est-à-dire que techniquement, il lui reste que 5 jours. Ouais. Ça va faire peur, ça. Ah, c'est ça, il y aurait 160 heures à vivre. Ouais. Alors, n'empêche, je suis extrêmement déçu de ne pas avoir trouvé Piximan. Alors, en plus, maintenant, avec la méga attaque qu'on a, ça aurait pu se faire tellement facilement. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Mais bon, tant pis. Alors, puisqu'on est là... Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même une journée calme. Hein. On fait une journée combat, tranquille. Parce que la journée d'avant, elle était ultra fat, quoi. Elle était complète, la journée d'avant. Ouais, ça, faut la prendre. On a quand même 20% de chance d'apprendre celle-là. Hein. Oh là, mais les 20 objets, c'est tellement la vie. C'est tellement génial d'avoir 20 objets. Petite indication, Nanimon, on le rencontre. Donc, tous les endroits où on a affronté un gros boss. Voilà. Vous verrez plus tard, de toute façon. On le reverra. Ah, malheureusement, cette attaque-là tire plus vite. Hein. Oh,
Oh, il a bloqué. C'est pas grave, de toute façon, on va les spammer. Non, mais ça va passer. Bien joué, bien joué. Mais bon, ça va, on lui fait quand même assez de dégâts. On est content, on est content. Non, très cher, il va falloir la prendre. Hein. Ça va être important à un moment donné. Ça serait mieux, quoi. Allez, on fait les fous. Puisque tu as vu mon visage, bah je vais te tuer. On est quand même à 20%. Hein. Ça sent ce qu'on a le choix. Ah, il commence direct avec celle-là, c'est terrible. Voilà, c'est ça. Hop, calme-toi. Oh non, ça c'est chiant. Yes, impeccable. Le 250 sur l'ennemi. Pourquoi tu changes de cible? Deux ennemis, c'est vraiment plus chiant. Hein. Y'a pas de... malheureusement. Oh, il reste rien. Voilà, parfait. Que 74 en plus. Oh là là, c'était quand même... Bon, le début, c'est un peu fait molester, mais là, c'était beau. Ah, yes! C'est bon, là! Et en plus, il laisse une RAM PMM, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Parce que 1500 PM d'appri, c'est toujours fort sympathique. Mesdames et messieurs, nous avons Enfer Rouge. Bon, Enfer Rouge, 210 de force pour 171 PM, c'est pas fou. On est d'accord, c'est pas fou. Mais voilà, on l'a, et c'est toujours bien. C'est toujours bien. J'ai pas de raison particulière de lui mettre, hein. Je vous cache pas. Ah oui, puis bien sûr, j'ai pas... Bien sûr, je n'ai pas du tout racheté de pilote auto. C'est un problème. Donc nous avons 20% de chance. C'est bien. Non mais je veux pas de combattre. Déjà parce que j'ai tout one shot. De une. Et... Purée, c'était chiant, tout simplement. Oh la Piximon qui nous a... trahi. Je tiens à le préciser. Parce que j'aurais rêvé lui remontrer à quel point... je suis pas d'accord avec lui, donc je réessaye, je retente, si jamais il a changé d'horaire. Ah non. Tant pis, rentrons. On va aller de l'autre côté. Totalement. Ah oui, c'est ça. Essaye de me combattre. Hein. Essaye. Essaye, petit Digimon haut et plante. Comment dire que le feu aura raison de toi. Donc bon, une attaque apprise, c'est bien. De toute manière, c'est bien. C'est une bonne journée qui s'est déroulée. Comme j'y pense, on va aller voir la reine. Voilà, on est à côté. Ce serait cool, quoi. C'est quand même plus sympathique. Alors, la reine, qu'est-ce que ça donne? Il y a un endroit où on peut pas aller. Ce sont les places réservées à nos invités. Voilà. Là, c'est pour rentrer dans un tournoi. Eh, tu n'es pas inscrit, tu sais. Je sais. Alors, dis-moi, Grimon. Oh, Adroft, Aka, vous êtes là. Admirez la reine de la capitale, c'est génial. Elle va bientôt se remplir de fans et de participants. Tu vas les impressionner, non? Les fans collectent des prix pour les gagnants du tournoi. Tu n'as rien à perdre. Cette machine te donnera des détails sur le tournoi. Je suis content que tu sois là. Veux-tu participer au tournoi? Oui. Alors, on peut s'inscrire au D. Sauf que D, c'est pour disciples. Donc non. Et pourquoi ne peut-on pas... Oui, parce qu'on s'inscrit que la veille. C'est vrai. La reine info.
Les tournois de grade, tout le monde participe à un tournoi de grade. Les tournois de bas niveau ne sont pas conseillés aux Digimon de niveau supérieur. Son Digimon se dévolve entre temps, il ne peut plus participer. Registre 1, nombre de championnats 0, victoire 0, défaite 0. C'est génial. Les tournois spéciaux, sont quelques règles précises concernant les participants. Il n'y aura pas de tournoi s'il n'y a pas assez de participants en ville. Un même tournoi n'a lieu qu'une ou deux fois par an. Réfère-toi au calendrier. Soit. Donc ça, c'est le tournoi. Tournoi auquel éventuellement on peut participer. On peut s'inscrire demain pour le tournoi d'après-demain. C'est envisageable. Betamon est là. L'eau est fraîche, c'est bon. Rien de tel qu'un peu de repos dans un cadre agréable. Bah ouais, tu m'étonnes. Et donc la quincaillerie où logiquement nous rencontrons un nouveau teneur. Voilà. Biomon, bienvenue, je travaille ici à présent. Viens nous voir très souvent. Que veux-tu faire? Je souhaite acheter, parce que je gagne de l'argent. Et on remarque une S-Rame de soins, qui est énorme. C'est-à-dire la grande rame, c'est 5000, donc la S-Rame, c'est tout. Vous avez rarement plus de 5000 de vie, hein. Je tiens quand même à préciser. Pot de chambre. Voilà. 5 pots de chambre, ça fait du bien. Pilote auto, voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et puis, tant qu'à faire, une petite rame PM, c'est toujours ça de prix. Ciao, Bioman. Donc là, y'a rien. Et je vais t'apprendre comment acheter des objets. Appuie sur la touche Start dans la liste des objets pour en obtenir une description. Oh, très bien. Change le nombre d'objets en appuyant sur X si tu veux en acquérir plusieurs. Ouais. Pour monter ou descendre de 10 unités, appuie sur les touches directionnelles haut et bas tout en maintenant rond enfoncé. Ça, c'est bien. S'il y a trop de choix, fais défiler la liste avec les touches directionnelles tout en appuyant sur la touche R1. Ah oui, ça permet de descendre plus vite. Fais tes emplettes, juste après t'être digivolvé, tu auras une bonne surprise. Une remise de 10 ou 20% sur tous les achats. Et il ne nous dit pas tout, appuie sur carré et tu achèteras le maximum suivant ton argent que tu peux acheter de cet objet. Ce qui est aussi quand même assez sympathique comme petite information. Donc on n'a pas Piximon, c'est terrible, on a le porte-clés dimensionnel, c'est génial! Voilà, il faut quand même... faut se rendre compte que c'est génial. Je réfléchis... Mais en fait on a battu Meramon il n'y a pas longtemps. Donc malheureusement je crains que le tunnel ne soit clairement pas ouvert. On va aller vérifier. Parce que ça on n'aura pas d'informations. C'est seulement une fois qu'il sera... Enfin, c'est quand on y rentre qu'il nous dit ou pas. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de chance? Non, on n'en a pas. Donc, demi-tour directement. Parce qu'aller affronter des Goburimon qui ne peuvent nous apprendre que... direct, c'est pas la peine. On a bien mieux à faire. Bien mieux. Par exemple, on peut tenter d'affronter les Mud Frigimon qui sont au-dessus de la plaine pour avoir 8% de chance d'apprendre Muscle Charge qui monte l'offense. Et ça, ce serait pas dégueu de l'avoir. Ce serait pas con du tout. Parce que ça permet voilà de monter un peu les dégâts. Donc sachant que la stat reste jusqu'à la fin du combat, pour des combats un peu longs, bah, c'est sympathique. Alors je me rends compte qu'on s'oriente encore sur un gros épisode. Malheureusement c'est comme ça. Voilà, enfin disons que c'est ainsi que ça se passe. C'est un épisode tranquille. Éventuellement j'accélérerai le passage avec... Je suis déçu de ne pas trouver Piximon. Pour que ce soit à peine plus agréable pour vous. Bien, pendant que l'autre se casse, voilà, merci. Parce que j'ai pas envie de vous affronter deux par deux, ça ira. 8%. Ça reste 8%. Voilà, c'est exactement cette attaque. Ouais, non, c'est ça. Ça, t'es pas bon, en vrai. Ça, c'est mieux.
Ok, parfait. C'est un combat rond dans le milieu, quoi. C'est marrant, c'est dur. Évidemment. Puis bon, 200 bits pour un combat comme ça, moi, ça me fait toujours un peu mal quand même. Mais bon. Viens par là, toi. Va aussi te dire bonjour. Da. Ou dis da, c'est mieux, mais. Je suis plutôt sur le cri, là. Cri d'attaque. En plus, des maps comme ça, c'est hyper lent quand le personnage arrive jusqu'au bout. Aucun intérêt. Oui, non, mais voilà, il faut pas le faire quand il t'attaque. Ou deux à la suite. C'est moche. Ça fait deux attaques gâchées. Voilà, tiens, pendant que tu te boostes. Mange-toi ça dans le massif. Ouais, mais bon. Oh, et en plus, il se fait atterrir. C'est triste, c'est triste. Par exemple, ce type de combat, je vais l'accélérer parce qu'il sert à rien. Parce que juste molester. Hein. Voilà, merci. Voilà, cette longueur pour rien. C'est un combat qui nous apporte 200, je rappelle. Bon. Il nous redonne ce qu'on a dépensé. Ça va. Enfin, sauf les PM, bien sûr. Mais... ça, malheureusement. Je peux pas faire ça. Bon, bah, cassons-nous. Allons à un combat où on a bien plus de chances d'apprendre des choses. Et des choses qui plus est bien plus intéressantes. Parce que bon, on a quand même un Digimon feu. L'idée, c'est d'apprendre du feu. D'accord. C'est quand même mieux. Bon, lui aussi, normalement, le caillou là, peut... a du potentiel pour nous apprendre Muscle Charge. Mais bon. Comme c'est pas très intéressant. Il est sorti, yes. Parfait, parfait. Alors oui, il est fatigué, on va quand même en faire les deux. On va faire les deux. Sauf si on l'apprend direct, bien sûr. Ah là là. Oh, il a bloqué. Voilà, c'est celle-là que je veux. En plus, confusion. Non, même pas. Paralysie, c'est génial. Oh là, on venait quand même le toucher. Voilà, tu fais ton petit tour. Oh, oh non. Ah ouais. Il a à peine plus de vitesse que toi, ça se voit, hein, pas ça, tu vois. Bien joué, toi. Bien joué. Ah, bah, allez, on va faire notre dernier combat de la journée. Et puis ça finira cet épisode qui durera globalement 32-33 minutes. Ça va. Il a dit j'ai le cerveau en ébullition. Waouh. Impressionnant. Ouais, mais alors ça c'est une attaque qui touche nécessairement. Enfin, qu'il faut bloquer. C'est quand même fort sympathique. Oh, c'est bon, voilà, on laisse. Voilà, ça c'est un bon combat. Rapide, efficace, pas besoin d'accélérer. Ah, j'y crois, à chaque fois j'ai l'espoir quand l'écran arrive là. Mais bon, ça ne marche pas évidemment. Évidemment. Oui, t'es fatigué, je sais. On se met à côté des. Ah bah voilà, très bien. Parfait, parfait. Je voulais justement se mettre à côté. Parce que, inévitablement, le lendemain matin, il aurait eu envie sinon. Bon bah, ma foi. On va dormir là. T'as... bon, de toute façon, tu viens de faire de l'eau aux toilettes, donc qu'importe. Ok. Eh bien, merci à vous de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Le prochain épisode, on va quand même refaire 2-3 combats contre les Flare... Flare Razimon. Flare Razimon. Pour essayer d'avoir la Fire Tower. Et après, on enchaînera sur du recrutement un peu plus... musclé. Donc merci de regarder la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft.